Là, on est en direct. Je vais aller voir vite fait si c'est sur le. Hop. J'espère que ça a fonctionné comme je le pense. S'il y a un problème, je m'en excuse. Voici en lecture. Est-ce qu'il. Ouais, si, c'est bon, on est sur passion lecture. Ah bon, là. Je vais laisser le temps aux gens d'arriver s'ils sont là. Mais on peut Si on commencer, là, ça ne dérange pas. Puis bon, on va bon, ah discuter bah voilà. beaucoup. Il y a Joseph Sabdoud qui merci d'avoir confirmé. Bah Ouais. déjà, bonjour et bonsoir à tous. Voilà pour le premier live du groupe à Cathy Beauvais, passionné de lecture d'horreur et policière. J'ai l'honneur d'avoir Pierre-Luc Coul. Donc ça va Oui, être un peu bonsoir tout le festif. monde. Et, Hein? le Facebook user, n'hésitez pas à mettre vos noms et vos pseudos parce que je vois pas forcément tout le monde. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Là, je vais laisser Pierre-Luc Coul se présenter, dire ce qu'il a à dire. Et si vous avez des questions, je vais les poser et il sera un plaisir de vous répondre. Oui, ben merci beaucoup, Mickey. Puis honnêtement, c'est vraiment un honneur pour moi de faire un live avec toi parce que comme que tu l'as mentionné tantôt dans les coulisses, tu sais, ça fait longtemps qu'on discute moi puis toi puis qu'on parle de faire un live ensemble. Puis je sais que tu as toujours été attiré avec mes dessins, tu as tout le temps fait des commentaires sur mes dédicaces tout ça. En tout cas, c'est un honneur de finalement avoir une soirée à discuter avec toi. Je suis vraiment content. Puis en plus de ça, quand est-ce que Cathy m'a demandé pour faire le premier live du groupe, j'ai vraiment été touché. Puis j'ai dit oui tout de suite. Cathy, pour moi, c'est une personne très importante, une lectrice, mais aussi une bêta lectrice pour moi. Puis je n'aurais discuté avec elle ce soir, mais malheureusement, elle ne peut pas être là. Mais ce qui est arrivé avec Cathy, c'est que j'ai écrit L'été des mouches. Puis en tout cas, c'était mon premier roman qui avait sorti L'été des mouches. Puis elle m'a contacté pour commander une copie. Puis elle a dit, mais Cathy, tu sais, elle a pas de gêne. Là. Elle a discuté avec moi, puis elle m'envoyait des cracks, puis ça. Puis là, après ça, elle était comme, j'aimerais avoir une dédicace. Mais il faut que j'aie un bec dedans. Fait là, j'étais comme, God, c'est la première fois que quelqu'un me demande pour un bec. Fait là, j'ai fait comme, well, frig it, je vais pas la manquer. J'ai pris du rouge à lèvres, j'ai mis du rouge à lèvres, puis j'ai donné un bec dans le livre. Puis anyway, cette affaire de rouge à lèvres-là a duré, c'était une joke, a duré un petit peu après. Puis après, quand elle a reçu l'été des mouches, elle a plongé dedans, puis elle est revenue avec des commentaires très constructifs. Donc, elle me faisait des bons commentaires, elle disait ça, ah, ce site, ça, j'aime beaucoup ça, mais ce site, blablabla. Bla, bla. Puis moi, l'été des mouches, je l'ai écrit, puis j'avais aucun bêta lectrice ou lecteur québécois. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de parler acadien, si on veut, dans l'été des mouches. Puis, quand est-ce que j'ai venu à écrire l'ultime, j'ai fait, ça serait intéressant d'avoir une bêta lectrice du Québec qui pourrait un petit peu plus généraliser mon langage, puis sortir un petit peu du parler acadien, puis plus se rapprocher de, tu sais, comme juste avoir une autre opinion venant du Québec, parce que j'ai beaucoup de lecteurs, lectrices du Québec, justement. Puis, j'ai fait, ben, you know what, Cathy m'a fait des bons commentaires avec l'été des mouches. Je vais lui demander à elle. J'y ai demandé pour l'ultime. Elle a accepté avec grand plaisir. Puis, elle a tout le temps dit qu'elle a été la bêta lectrice pour la première fois avec mon roman, l'ultime. C'est la première fois qu'elle faisait. Puis, vous savez tout aujourd'hui qu'elle touche plusieurs auteurs. Donc, en tout cas, pour moi, Ah, c'est vraiment spécial de faire partie de ce live ici. Et de rendre hommage un peu à notre relation qu'on a, moi et Cathy. Ouais. c'est vraiment quelqu'un de bon. Mais moi, depuis que je la connais, je vois de où elle est passée, de où elle a commencé, où elle en est aujourd'hui. Moi, je tire mon chapeau, c'est quelqu'un de bien, elle fait beaucoup de choses. Oui, moi aussi, exactement. Puis je vais la rencontrer à la Caravane littéraire à Québec. Donc, c'est la première fois que je vais la rencontrer depuis plus qu'un an qu'on se côtoie. Je suis vraiment hâte. Je vais parler un petit peu de qui ce que je suis, puis j'ai parlé de l'été des mouches, mais je vais parler de mes autres romans. Donc, premièrement, comme vous voyez, mon nom, c'est Pierre-Luc Coul.
Je suis un auteur acadien, originaire et je réside au Nouveau-Brunswick. Je suis originaire de Petit Rocher, c'est un petit village au nord de la province, si qu'on veut, qui est l'autre bord de la baie des Chaleurs de la Gaspésie. J'ai toujours été passionné de l'art, littéraire, mais aussi musical. J'adore la musique, le heavy metal, comme vous pouvez voir, Motorhead. En arrière, il y a tous mes CD. Je suis quelqu'un qui est très passionné. Puis, j'ai tout le temps eu un cœur d'artiste, un cœur créatif. J'aime beaucoup créer des choses, mais je suis nul en dessin. Je suis nul en, tu sais, même si j'adore la musique, je joue pas vraiment d'instruments. Je chante dans un groupe, ça, mais je m'amuse plus à faire du bruit. Puis, je suis pas quelqu'un qui peut jouer de la guitare ou des drums ou de la basse. Oui, je peux le jouer, mais je m'amuse plus à faire du bruit. C'est plus le côté créatif que le côté talentueux que j'explore. Donc, quand est-ce que j'ai commencé à écrire, ça a vraiment été un havre pour moi de m'exprimer, puis vraiment de me vider, puis de dire les choses que j'avais à dire. J'ai commencé beaucoup avec des bandes dessinées quand est-ce que j'étais jeune. Je faisais les bandes dessinées et oui, je faisais les dessins, donc vous pouvez voir. Mais mon but, c'était de plus tard faire des bandes dessinées qui seraient illustrées par quelqu'un d'autre. Ensuite de ça, vers l'adolescence, j'ai tourné vers la poésie. J'ai écrit beaucoup, beaucoup de poèmes. Puis la poésie, c'est ça que j'ai aimé, c'est que ça m'a permis de m'exprimer de différentes façons, puis de me lâcher lousse, comme on dit, de vraiment aller dans différents styles, puis d'écrire à propos de différents sujets, puis d'aller chercher différentes émotions. Mais c'est très difficile la poésie. Une fois que tu as la poésie, tu peux t'amuser à écrire ce que tu veux, hein, d'une certaine manière. Parce que Ouais. tu as la plume, la façon de le poser comme toi tu le souhaites. Et c'est pas tout le monde qui l'a. Et toi, ça se ressent, de toute façon, ça se voit dans ton écrit que tu te prends vraiment la tête, phrase par phrase, à dire, faut que ça fasse ça, si ça fait pas ça, non, faut que ça fasse ça. Ouais, oui. C'est vrai que c'est très posé comme puis ça m'a peut-être aidé avec. Je sais que quand j'écris des romans, il y a des moments jusque des paragraphes vont être plus poétiques, il y a d'autres qui vont être. Mais quand est-ce que ça vient plus poétique, souvent, c'est quand est-ce que c'est un narrateur, que c'est le personnage qui est le narrateur, là, je peux plus me laisser aller dans la poésie que quand c'est un narrateur omniscient. Mais en 2011, j'ai fait un voyage en France, puis c'est là que j'ai eu ma première idée pour L'été des mouches, donc mon premier roman. J'ai commencé à l'écrire en 2011, mais il a seulement été publié en 2019. Ça a été vraiment un long processus au début de écriture, mais aussi révision. Mes temps de verbe étaient tout croche, j'avais toutes sortes d'affaires. Mais mon but, quand ce que j'ai écrit L'été des mouches, c'était vraiment juste me lancer, d'écrire, pas avoir de restrictions, puis juste plonger dans l'eau froide, puis me laisser aller, puis avoir du fun. Puis je pense que tu peux vraiment le feeler quand ce que tu lis L'été des mouches, parce que j'ouvre beaucoup de parenthèses. Ces petites parenthèses-là, c'était souvent par rapport à moi qui s'il y a quelque chose qui me passait à travers l'idée, que ça avait, c'était en lien avec l'histoire ou pas, peu importe, je l'insérais dans le manuscrit. Puis ça donnait un style unique à L'été des mouches que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de jeunes qui, un petit peu comme un Stand By Me, mais viré horreur. Donc, c'est des jeunes qui sortent du. Comme nous autres, c'est l'école est différente qu'au Québec, mais ça serait du genre secondaire 2 pour vous autres. Ils sortent du secondaire 2. Puis, arrêtez. Ils font toutes sortes d'affaires. Ils vont camper, puis ils vont visiter une maison abandonnée. Puis juste des petites choses de jeunes. Ils se promènent beaucoup en bicyclette. Puis à un moment donné, ils vont camper quelque part, font du camping sauvage pour la première fois de leur vie. Ils sont pris à mauvaise place au mauvais moment. Moi, quand j'ai fait mon voyage en France, on faisait du camping sauvage, ma femme Chantal et moi. Puis on campait à toutes sortes de différentes places. Puis il y a des fois qu'on n'était pas trop dans des situations idéales, puisqu'on a eu peur. Puis cette peur-là a fait naître mon premier roman. Mon deuxième, l'ultime, celui-là, je m'ai gâté. Je m'ai dit, qu'est-ce que le livre que je voudrais écrire? Et c'est ça qui en est sorti. En arrière, je dis, j'ai écrit mon livre préféré. Vos vêtements vont vomir, tout à fait comble. C'est ça. C'est un livre complètement déjanté. Ça combine mes deux passions, qui est le métal et l'horreur.
Donc, si tu pars à un festival de heavy metal que j'ai, l'ultime, c'est l'Ultime Metal Fest. Donc, c'est un festival que j'ai organisé de A à Z, un festival fictif, mais les groupes sont réels. Donc, il y a 24 groupes qui jouent. Puis chaque groupe, comme on va dire Slayer, Slipknot, Cradle of Filth, tous ces groupes-là, Oh, Cannibal, c'est bon ça. ils ont tout un chapitre qui leur est alloué. Donc, le chapitre, c'est le nom d'une chanson. Il y a quatre groupes de personnages qui se déplacent au festival, puis leur histoire est parallèle, puis ils vivent des aventures toutes plus fuckées les unes que les autres. Et mon tout dernier, Cocagne, c'est mon dernier roman qui a été publié en septembre, le mois dernier. Cocagne, c'est un village au Nouveau-Brunswick, au sud-est du Nouveau-Brunswick. Puis là-bas, c'est un village côtier, puis le cimetière est vraiment comme sur un beau terrain. C'est dans une petite péninsule, puis il y a la mer arrive, tu sais, ça frappe les berges juste sur le bord du cimetière, puis c'est de toute beauté. Puis quand est-ce que je roulais à Cocagne une journée, je me dis, quoi ça serait si qu'un riche du village voudrait acheter le cimetière, exhumer les morts, puis construire sa nouvelle demeure, son manoir là. Ben là, j'ai fait comme ben, ça ferait un village hanté, puis blablabla. Donc, c'est grosso modo, c'est ça. C'est un village au complet qui est hanté. Donc, c'est un peu comme. Ce site, c'est un peu rendre hommage aux films d'horreur, parce que je suis passionné des films d'horreur. Donc, je rends hommage à Carrie, parce que c'est des jeunes qui graduent de l'école secondaire, tous les personnages principaux. Ensuite de ça, je dirais. Voyons, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, voyons, Poltergeist, qui était le même concept d'avoir construit une maison sur un cimetière ancien. Puis j'ai aussi Needful Things, donc le bazar de Stephen King, parce que c'est un village au complet, puis tout le village vit, tous les villageois vivent la folie. Puis aussi, je dirais The Gate, c'est un film d'horreur des années 80, un petit peu plus obscur. Donc, c'est comme une combinaison de mes films d'horreur. Donc, un petit peu à ça. Puis, il y a un élément intéressant là-dedans, le personnage principal est autiste. C'est un personnage qui a perdu sa mère jeune. Puis, lui, le concept de l'âme, quand est-ce qu'il regarde sa mère au salon, le salon funéraire, il regarde sa mère, puis il remarque qu'elle n'est pas pareille. Oui, elle est toute belle, elle est là, mais il manque quelque chose. Puis il ne comprend pas c'est quoi ce qui manque. Puis il se dit, ben, la seule chose qui lui manque, c'est son âme. C'est quoi ça, un âme? Parce que lui, il ne comprend pas ce concept-là. Fait qu'il se met à étudier les âmes. Puis, en tout cas, fait là, quand ce que le village vient hanter, ben, les réponses En tout découlent. cas, t'as dû avoir du fun, hein. Ça a pas dû être plus facile que ça dû être du boulot quand même, parce que faire, déjà, dire que ton personnage principal est un autiste, c'est pas facile de gérer la vision, s'il y a plusieurs formes d'autisme, et après respecter l'éthique, c'est très très dur. Ouais, ben je reviens tout de suite, je vais chercher un Pas de livre. souci. En tout cas, merci d'être venu au live, ça fait plaisir. Je suis content de vous retrouver. Donc, ça a été beaucoup inspiré, mon personnage qui s'appelle Tim est beaucoup inspiré de ce livre ici. Donc, c'est Marco Arsenault, le casse-tête de mon autisme. Puis, c'est un de mes amis. Il est originaire de Nigadou, qui est un petit village juste à côté de Petit Rocher. Puis, quand est-ce que j'ai lu ça, ça m'a beaucoup inspiré pour. Parce que lui, il étudiait les films pour imiter les émotions. Parce qu'il ne comprenait pas les émotions. Donc, si qu'il voulait être triste, il allait imiter des films dramatiques. Puis, il a beaucoup imité Jim Carrey. Il a été vraiment. Ouais, il a fait vraiment beaucoup de pièces de théâtre puisqu'il a imité Jim Carrey. Donc, Tim, dans mon livre Cocagne, oui, ça a été difficile, mais je trouve que je l'ai bien réussi. Puis, il y a certains chapitres que c'est comme lui qui. C'est comme son journal intime, si on veut. C'est lui qui parle dans son journal, puis il dit comme je comprends pas pourquoi est-ce que les jeunes ont été méchants envers moi aujourd'hui. Puis
Mais je pense, tu sais, comme, il essaie vraiment d'analyser les émotions, tout ça. Puis ça, c'est mon, parce que moi, je suis un enseignant. Donc, mon background en éducation m'a aidé beaucoup là-dedans, quand ça vient à analyser le non-verbal, si on veut. Ouais, parce que lui, c'est ça, il a reçu des trucs, comment analyser le non-verbal, qu'est-ce que les jeunes projettent, qu'est-ce que le non-verbal dit comme émotion, là, tu sais. C'est excellent. Donc, en gros, il y a deux narrations. Quand tu as la forme, la première narration, c'est lui qui discute, et la narration où justement c'est le narrateur qui explique avec le ton, nanana. C'est ça, oui. Ouais. Ouais. Comme ma quatrième de couverture, c'est dans le prologue, donc je peux la lire là. Les gens parlent des âmes, que l'âme s'évade de leur corps hôte après la mort de celui-ci. Il va falloir que je fasse des recherches à ce sujet, que j'observe des corps avec et sans âme, ou peut-être même des âmes sans corps. L'enterrement qui aura lieu cet été sera au cimetière Saint-Pierre de Cocagne, un bon endroit pour entamer mes recherches. Je suis Timothée Leclerc, mais tout le monde m'appelle Tim. J'ai 12 ans et je suis autiste. C'est ça. Je trouve que ça donne un air Lovecraft. Hein, c'est Larry, il va conter son histoire et il se passe de quoi? Donc t'as deux narrations. Là, bon, Lovecraft c'est plus à la première personne que truc, mais ça me donne un petit air de Lovecraft. Ouais. Un petit côté mystérieux, tout. Ouais. C'est un autre niveau Lovecraft, mais oui, Ah merci. ben. J'avais une question de Carmine Carl. Oui. Alors, c'est pour vos pages de couverture. Est-ce que vous, c'est vous qui avez pris la dernière décision ou c'est votre éditeur? Merci. Ouais, bonne question. Donc, pour l'été des mouches, j'avais l'idée d'avoir un jeune. J'aimais beaucoup. Je voulais que le jeune soit dessiné en crayon avec des mouches dans les yeux. C'est ça que j'ai dit à mon éditeur. On était d'un bout à l'autre. T'sais, on est revenu souvent. Puis là, à un moment donné, c'est comme difficile à le montrer de même, mais c'est comme double. Fait, le visage se continue. Puis quand ce qui est arrivé avec cette page couverture-là, j'ai dit oui. Donc, ça, c'était les éditions de l'Apothéose. Mais pour mes prochains romans, moi, je suis auto-édité. J'ai décidé d'aller dans l'auto-édition. Puis, mon premier, c'est un de mes amis, il est originaire de Moncton. Puis, c'est un graphiste. Puis, l'ultime, j'y ai donné un concept complètement différent de ça. Puis, il est revenu avec ça. Puis, j'ai fait comme, oui, ça, c'est bien meilleur que mon concept. C'est aussi un petit peu un hommage au Black Album de Metallica parce que c'est plus gris-pâle. Lui, il a fait beaucoup plus pâle au début pour rendre plus hommage, mais là, j'ai dit non, il faudrait le ressortir plus. Puis, ça que j'aime, c'est que sur le côté, il n'y a rien. Oh. On dirait vraiment un overbook d'un gros concert métalleux. Ouais. Puis après ça, Cocagne, c'est le même. C'est encore. Son nom, c'est John Richard. En tout cas, vraiment un bon artiste. Puis. La façon qu'il a écrit Cocagne, j'ai assez aimé ça. Là, vous voyez peut-être pas bien, mais il y a des petits slash rouges. J'ai adoré ça. J'avais été voir tout à l'heure Il sur donne Amazon. le genre de monstre. Là, il donne un look. Mais elle est vraiment malade, la couverture. Ouais, Il y a même c'est Carmine qui vraiment dit la page de menaçant. couverture de Cocaine est superbe. Ouais. C'est intriguant aussi. En tout cas, j'aime ça. J'aime Bah moi, l'intrigue. quand je l'ai vu, ça m'a fait penser direct au vieux film à l'ancienne, là, où ça te mettait bien la pression. Tu fais, qu'est-ce qu'il a sorti? Ouais. Ben, c'est ça que j'ai voulu. C'est ça que j'y avais dit. Je voulais quelque chose comme plus qui représentait les films des années 80, là. Ah, ça donne de. Ouais. Ça intrigue, en tout cas, ça attire. Ouais. En tout cas, chapeau. Merci, merci. Quand vous pensez, je vais te tutoyer parce que sinon elle va tout le temps vous voyer. Alors, quand tu penses à des idées, est-ce que tu les écris sur papier ou téléphone, sur ordinateur, sur du PQ? Des idées, c'est sur papier. Donc, j'ai commencé ça. Vous connaissez Dominique Bellavance. Donc, Ah, il est Dominique. monstrueux. Ouais. Donc, Dominique Bellavance a écrit un livre, Comment écrire plus. C'est 50 trucs, quelque chose de même, comment écrire Ouais. plus. Puis, il y a un des trucs qu'il avait dit, avant d'écrire un livre, remplissez un cahier Hillroyd de vos idées à propos de ce livre-là. Fait, j'ai plein de cahiers Hillroyd. Ça, c'est tous mes projets futurs. Puis, même à ça, je n'ai pas assez, là. Fait, quand je prends, attends une minute,
mon prochain roman. On parlera peut-être plus tard. Ici, ben, c'est là-dedans que j'écris mes idées. Puis pourquoi j'écris des idées d'un cahier Elroy et non sur un ordinateur, c'est que pour moi, c'est plus facile à faire du barbouillage, puis faire des flèches, puis d'aller d'une place, puis d'aller d'un autre à la main que sur Word. Puis en plus, quand j'écris mon roman, ben moi, je n'use pas Word, j'use Scrivener, mais quand j'écris mon roman sur l'ordinateur, j'ai mon cahier Hillroy à côté de moi, ça fait que je peux feuilleter. Si, mettons, je fais mes personnages, j'écris mes personnages dans mon cahier Hillroy, là, je suis comme, ah, oh, man, ce personnage-là, comme un personnage secondaire, je suis comme, quelle couleur de yeux j'y ai mis encore? Fait là, je garde, ah oui, il a les yeux bruns. OK. Ah oui, il a 21 ans, ou peu importe, whatever, qu'est-ce que c'est. Mais j'aime mieux avoir cahier Hillroy à côté, puis ma fenêtre qui prend tout mon ordinateur, que d'avoir besoin de changer de fenêtre à une Est-ce que autre. je me casse la tête à faire, moi, sur mon téléphone? Ouais. Et je vais prendre ton idée parce que je sais que Dominique Bellavance, lui, il donne des bons conseils, hein, sur tout ce qu'il Oui. écrit. Il fait, ah, quand même, Ouais. un sacré pédigré. Ouais, son livre, les trucs là, pour comment écrire plus. En tout cas, si vous êtes des auteurs aspirants, je vous le conseille. Au pire, si vous Même voulez, je vous si vous mettrai êtes auteur directement le lien du débutant. livre en question. Hein? Je leur mettrai directement le lien du livre sur le groupe directement. Quand je vais reprendre le live, je vais retélécharger, je vais le mettre sur YouTube, je vais remettre le lien, comme ça tout le monde peut le partager. Je vais Parfait. remettre le lien en dessous en même temps. Excellent. Est-ce que tu t'inspires des personnes autour de toi pour créer tes personnages? Oui, comme que j'ai dit, Tim, ça venait de mon ami Marco un peu. Il y a certains personnages que oui, ça va souvent être un mix and match. Mais dans L'été des mouches, il y a un personnage qui est comme mon comic relief. Donc, c'est, voyons, Tiluc. Ben, Tiluc, c'était vraiment découlé d'un de mes bons amis d'enfance qui s'appelle Marc-Éric. Ensuite de ça, j'ai. Ouais. Oui, puis non. Tu sais, il y a des personnages que non, mais il y en a d'autres que c'est comme. J'y vais direct. Il y en a que c'est des fois, je prends des traits de personnalité, mais pas toute sa personnalité au complet, là. Ouais. Donc. Et toi, tu t'inspires beaucoup de la musique pour écrire. En fait, quand tu écris, tu mets plusieurs styles de musique, mais tu t'en inspires. Oui. Oui, je suis beaucoup inspiré de la musique, c'est certain. La musique me donne des émotions, des sensations fortes que je vais chercher puis je retransmets dans mes manuscrits. Comment la population de Cocaine a réagi à ton dernier roman? Ça fait un mois, j'ai pas encore trop fait de publicité par rapport à cocaïne. Comme je n'ai pas encore été là pour dire, hey, mais je sais qu'il y a du monde qui de cocaïne que je connais, là, qui ont vu, puis qu'ils étaient vraiment contents de voir un roman cool, si on veut, par rapport à leur village. Mais ça n'a pas encore, si on veut, débouché ou ouvert dans la région cocaïne. J'ai même pas encore été amené des pamphlets là. Je suis plus comme. J'aime que le temps fait ses choses avec la publicité. Je me concentre sur une chose, après ça, je passe à une autre. Je le fais comme par étapes, genre. Et je pense que l'été prochain serait probablement un bon temps parce que c'est beaucoup un village touristique. Cocaïne. Ah. Ouais. Par un événement, ça peut être sympa. Ouais. Moi, j'avais été me balader tantôt sur Amazon juste pour voir s'il n'y avait pas des nouveaux livres que j'avais loupés au cas où, mais sort Cocaine, moi j'ai vu deux commentaires. Il y en a une dit une aventure intense dans l'univers d'un autiste. J'ai retrouvé le même côté pété que j'avais adoré dans l'ultime. Les personnages sont touchants et authentiques. La plume de l'auteur est fluide, son imagination est débordante et le sujet est vraiment très intéressant. J'en dis pas plus, à vous de vous le procurer. Donc, je vois que des commentaires comme ça.
En tout cas, pour le moment, je vois que ça. Sur Amazon, les notes 5 sur 5. Ouais, Okay. good, good. J'aime bien me balader comme ça pour voir s'il n'y a pas des petits trucs. Comme ça, j'arrive, je les sors en Ouais. live. C'est sympa, j'adore. C'est comique parce que j'ai été sur Goodreads une fois, puis j'ai été lire des commentaires pour l'ultime. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a mis, je ne sais pas si c'était 1 sur 5 ou 0 sur 5. Puis c'était le commentaire était un roman sans queue ni tête. Mais il l'a même pas lu. Ouais, ben j'ai. Non, ben, elle a probablement lu, mais j'ai dit, ben j'ai répondu. Pourtant, il y a en masse de queue dans le roman. Elle est bonne celle-là. Ouais. Mais tu sais, Elle comme. lui a tourné la face. Ils sont où les queues? Ouais, il y en a en masse. Mais tu sais, comme pour elle, cette personne-là, de dire ça veut dire qu'elle a pris le temps de soit lire ou se le procurer, ou elle a été attirée d'une façon ou d'une autre. Puis moi, en arrière, je le dis, là, tout à fait con, 5 coups de poing dans les dents sur 5, vous allez vous péter le cou, Slayer, vos matins vont vomir, ouais, par là. Donc, moi, je l'ai trouvé brave, cette personne-là, de sortir de sa zone de confort pour voir ça, puis être comme, you know what, je vais l'essayer quand même si c'est que l'auteur m'avertit que c'est un livre Ouais. déjanté, tu sais. Puis elle a essayé, puis elle a trouvé que c'était vraiment déjanté, puis en tout cas. Mais j'avais trouvé ça papy sans queue ni tête. Ouais, mais pourtant, il y a en masse de queue dans ce roman-là. J'adore la réponse, elle est juste bien. T'as pas Ouais. besoin d'en rajouter plus. Ouais, Bon, en même temps, tu vois un truc de métalleux, tu t'attends pas à aller voir des bisounours, hein. Moi, je sais ben pas, c'est j'étais dans des comme. festivals, il C'est comme y en si avait tu beaucoup. regardes le documentaire de Woodstock, là. Tu Ouais. regardes, as-tu vu ça, le documentaire Woodstock sur Netflix? Woodstock Ouais. 99? Ben ça, c'est fou, là. Je dis, il y a du monde qui se roule dans la merde, là. Non, mais ça, c'est des trucs de dingue. Je sais même pas comment ils ont Mais. été chercher de l'idée, mais en tout cas, belle idée ce qu'ils ont fait. Ils ont eu les couilles de le faire, moi, Ben, tu sais, je c'est dis. ça. Ben, l'ultime, c'est ça que c'est. Il y a du monde qui se roule dans la merde là-dedans aussi. Puis, tu sais, il y a ça, mais il y a peut-être un petit peu plus. Parce qu'à un Ben moi, moment j'en vois un donné, bon ben, film, il y hein, a. honnêtement. L'ultime, j'en vois un bon film, un gros truc de teubé, là, mais ça ferait du bien. Moi, j'ai Quoi, les gens, ça? c'est ça qu'ils auraient besoin. Ça donnerait un petit grain de folie dans la tête. Je ferais, j'ai vu un bon truc de teubé, là. Il y a de la queue, hein, mais il n'y a pas que ça. Il y a des dents, des machins. T'inquiète. Exact. Ouais. Il y Ouais. aurait de la bonne musique en Titi. Oui. Oui. En écrivant le livre Cocaine, t'as eu la page blanche? Ou même les autres livres, hein, t'as eu la page blanche? Oui, surtout pour l'été des mouches, parce que j'avais aucune idée où ce que je m'enlignais avec ça. L'été des mouches, comme j'ai dit, ça m'a pris plusieurs années, mais j'ai pas fait de plan pour l'été des mouches du tout, du tout. L'ultime, il fallait vraiment que je le détaille de fond en comble avant de me lancer dedans. Parce que j'organisais le festival, justement, puis il fallait que je fasse les noms des chansons, puis tous les groupes, puis il fallait vraiment que ça découle bien. Fait, j'avais toute l'histoire dans ma tête au complet. Moi, je me rappelle, tu avais montré la scène, à quoi ça pouvait ressembler, ce qu'il pourrait y avoir et tout. Tu t'es vraiment cassé la tête. Ah, parce que tu Oui, parlais de tes groupes, tu dis, tiens, je vais exact. faire tout. Il y a Tu la gérais map même tes dedans. publications en même temps. Donc, chapeau déjà, parce que tu as passé du temps en titi. Ouais. Donc, il y a la Ouais. map, puis il y a l'horaire du festival. Tout. Donc, je l'ai organisé. J'ai eu aucune page de page blanche quand j'ai écrit l'ultime. Comme j'ai dit, je l'ai écrit pour moi. Je m'ai dit quel livre que j'aimerais lire qui n'existe pas. C'est l'ultime que j'ai venu avec. Cocagne, j'ai pas eu la page blanche vraiment. Je suis rendu avec les années d'expérience. Tu viens à trouver des trucs, comment passer par-dessus la page blanche. Puis ça vient que quand tu t'assois devant ton ordinateur, tu es capable d'être productif. Même, tu sais, comme des fois, c'est comme, mettons, tu n'es pas productif sur le chapitre que tu devrais écrire, ben, tu es capable d'aller plus loin parce que tu sais que tu vas écrire ça. C'est pour ça que c'est important de faire des. En tout cas, pour moi, c'est important de faire des plans à cette heure. Depuis que j'ai fait l'été des mouches, maintenant, je vais toujours avoir des plans, c'est certain. Mais pour Cocagne, j'ai eu la page blanche un peu plus que l'ultime, mais pas trop. Lui est différent. J'aimerais dire que je m'ai beaucoup concentré sur le dialogue. Moi, j'adore lire des livres avec du dialogue. J'adore lire des dialogues.
Puis j'ai trouvé que c'était un aspect que je développais pas assez avec l'été des mouches puis l'ultime. Donc, quand je m'ai comme concentré là-dessus, si on veut. Quand je lis du Suzanne Payne, tu sais, comme juste, je l'ouvre juste de même, toi, il y a beaucoup de tirets. C'est souvent, c'est beaucoup écrit comme ça, Cocagne. Ah, mais ça permet Donc, une certaine fluidité. La personne se prend plus dans le personnage parce qu'elle est plus dans la psychologie aussi, donc elle comprend mieux. pas mal de dialogue. Donc, quand est-ce que je lis, voyons, j'ouvre tout le temps des débuts de chapitre. Ça, c'est bizarre. Mais quand est-ce que je lis du Suzanne Payne est vraiment excellente, selon moi, pour les dialogues. Donc, après avoir lu sa trilogie, ça m'a beaucoup inspiré pour Cocagne. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de tes propres réflexions sur la mort à travers ce jeune personnage autiste? Non. Sais-tu quoi? Il y a quelqu'un qui m'a demandé la même question, une collègue, puis j'ai amené Cocagne, j'ai fait une dédicace, puis c'était par rapport aux morts puis les âmes, puis ça. Puis elle a vu ma dédicace, elle a trippé, puis elle était comme « Oh my God! » Elle dit, tu sais, comme « Je veux juste te demander une question, là. » Tu sais, elle c'est vraiment une femme passionnée, puis elle me pose des questions, puis elle a les yeux qui pétillent, là, tu sais. Elle est comme ta dédicace, là, tu sais, c'est-tu comme par rapport à tes propres réflexions, puis blablabla, tu te sens-tu de même? Puis là, j'étais comme, non, je suis un petit peu plus du côté scientifique quand ça vient à la mort, puis à l'après-mort, puis tout ça. Donc, malheureusement, non, mais je suis capable de. C'est ça qui est l'affaire d'un auteur capable de se mettre dans la peau des autres personnages, des choses qui nous entourent, puis des gens qui croient là-dedans, puis essayer de penser, ben, pourquoi est-ce qu'ils croient, tu sais? Puis On est des caméléons. qu'est-ce que c'est? Puis comment est-ce qu'ils se sentent quand est-ce qu'ils parlent de ça? Donc, c'est un petit peu comme une des forces des auteurs, vraiment, c'est d'être capable de se mettre dans la peau des autres. C'est pas donné à tout le monde. C'est beaucoup de travail et attention. Moi, je sais, j'ai 50 000 pages d'ouvert quand je lis un truc, je fais, oh mon Dieu, ça va être ça. Bon, je vais faire ça. Je finis sur ça. Je termine sur ça. Après, je dois faire autre chose. Je fais, bon, bah, il y a un jour, il va falloir que je me pose et que j'essaye de faire les trucs, mais j'ai jamais le temps. J'arrive jamais à trouver les trucs. Mais un jour, il va falloir que je pose mes plans, que je fasse les trucs correctement. Ouais. Alors, comment t'es venu le titre Cocagne? Cocagne, ben, c'est le nom du village. Donc, puis tu sais, j'aurais pu dire, comme à Petit Rocher, mon village, jusque je suis originaire, le lieu du cimetière est vraiment beau aussi, c'est sur le bord de l'eau aussi. J'aurais pu l'appeler Petit Rocher. Mais ça n'a pas la même résonance que Cocagne. Tu sais ce que je veux dire? Bah, Puis, surtout quand tu mais. vois la créature, la couverture, tu vois le truc, tu fais. Ouais. Mais de toute façon, Cocagne, l'idée m'est venue quand j'ai passé devant le cimetière de Cocagne. J'aurais pu passer devant le cimetière de Notre-Dame, j'aurais pu passer devant le cimetière de, je sais pas moi, Bouctouche ou peu importe, puis peut-être que mon livre aurait eu un différent nom, mais ça aurait peut-être même pas été le nom du village. Mais Cocagne, je trouvais que ça allait vraiment bien, ça ajoutait cette intrigue-là. Il y a des gens qui pensent que c'est. Qu'est-ce que je disais Cocagne au début, ils pensaient que c'était cocaïne. Il y a juste une lettre de différence. Moi. Mais non, c'est pas cocaïne. Moi, de toute façon, quand Ouais. j'ai vu la couverture, je l'ai vu que c'était dans un certain état psychologique que la personne a été. Et quand j'ai lu derrière, j'ai fait, oh, vraiment pas bête. Je trouve que c'est une belle allusion que tu fais, en tout cas. Ouais, vraiment cool. J'aime assez la façon qu'il a écrit Cocagne. Comme ça, là, c'est Ouais, j'aime bien, ça vraiment change. sharp. Est-ce que ça t'arrive que tu changes une phrase ou un chapitre de place? Oui, dans L'été des mouches, mon prologue n'était pas supposé d'être au début. J'aime faire les choses différentes un peu, puis mon prologue était après comme 4 chapitres. Ouais. Puis c'était comme chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, prologue, chapitre 5. Puis là, finalement, ça faisait, après l'avoir fait lire à mes bêta-lecteurs, bêta-lectrices dans le temps, il y a eu beaucoup de commentaires qui ont fait comme non, ça devrait être là, ça nous déconnecte de l'histoire.
Puis donc, il y a une raison pourquoi ces prologues sont au début. À part de ça, on joue beaucoup avec les chapitres des fois, là, surtout l'ultime aussi, parce que l'ultime, c'est l'ordre des festivals, puis il y avait l'ordre des chansons, si on veut. Comme les premiers chapitres, c'est tout en ordre chronologique, fait, c'est les premiers groupes qui jouent le matin, là, tu sais. Ouais, Puis ça mon dernier groupe qui est Black Sabbath, ben, c'est mon dernier chapitre. peut être, ça c'est bon ça. Ouais, il fallait que je ferme avec Black Sabbath parce Ah non, mais c'était le bonbon que ça. Je les ai vus en concert au Hellfest là, j'ai fait c'est oh, j'étais même pas censé être là. Ils sont venus par ouais. surprise, ils ont dit oh, on est passé dans le coin. T'as vu Ah, on s'est Hellfest? invité, nous. On est contents, ils ont chanté pendant 2 heures, on a passé un festival Waouh! de fou. Ouais. Ouais. Hellfest, c'est un rêve pour moi. Moi, je les ai vus à Ozzfest en 2005. Puis c'était Iron Maiden, puis Black Sabbath qui fermaient le festival. Ah, c'est bon ça. Ouais. Ouais. Ça me manque. Ça Ouais. me manque. Ouais, moi aussi, j'ai pas vu de gros festival depuis la pandémie, mais j'ai Non, vu Anonymous à Amqui le ah. mois passé, puis c'était la première fois que j'allais voir un show depuis ce temps-là, mais j'ai Ça fait du trippé. bien ça. Ça fait du bien, Ah, ouais. t'as envie. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de tuer un de tes personnages en cours de route qui n'était pas prévu au départ? Ouais. Souvent même, je pense. Ben, si je les tue, c'est pour une raison. À moins que c'est comme des personnages qui sont victimes de. Tu sais, qui sont là pour mourir, là, tu sais quoi je veux dire. Ouais. Mais si mes personnages comme principal ou pas comme un des top personnages meurt, c'est. Il va avoir une raison. C'est pour faire avancer l'histoire. C'est pour. Soit aider le personnage qui doit survivre ou que c'est pour donner comme Ouais, comme un point d'appui pour que ça parte ouais. dans telle direction, dans telle direction. Tandis que l'ultime ben là il faudrait vous le lisez mais je m'ai lâché l'os là-dedans puis la fin de l'ultime était aucunement prévue actually tu sais quand j'ai dit que j'avais tout prévu pour l'ultime la fin était. J'avais prévu une fin, c'était pas ça. C'était supposé de finir que tout le monde sortait du festival, puis c'était comme Yeah! Holy fuck, je peux pas croire que. Tu sais, c'est comme si que moi, plutôt, on aurait été voir Heavy Montreal, puis on aurait sorti, tu sais, Yes, man, on a vu le meilleur festival au monde, ça c'était cool. C'était de même, je voulais le finir. Puis Oh. finalement, des choses arrivées que ça finit autrement. Ça, c'est un truc que j'adore quand t'écris, c'est que t'écris, tu fais, attends, je vais aller par là. Et après, tu te rends compte au bout d'un moment, tu fais, mais non, c'est pas par là que je voulais Ouais. Non, aller. Ah, c'est c'est vrai, excellent. ça arrive souvent. Ouais. Mais moi, dans mes écrits, j'aime bien rendre hommage à des auteurs. Je vais dire, tiens, je vais parler de tel truc, je vais parler de tel endroit, juste pour bien signifier, tiens, j'ai fait un petit clin d'œil, nanana. Mais je trouve que des fois, ça rentre bien dans les romans. Je sais que Oui. j'en ai un qui est sur le côté, que je vais m'amuser à faire que ça. Mais moi, j'ai envie de faire les bonhommes allumettes, les dessins de merde, là. Tu vois, les trucs too much, là. Mais pour vraiment se taper des barres. Ah, ça, il faut que je le fasse. Je le dis depuis je sais pas combien de temps, mais il Ouais, faut que je je le sais. fasse. Ça, c'est Ben, en sûr qu'on va parlant faire. de. Moi, j'ai deux. En parlant de. Voyons, le bonhomme animé, tout ça. J'ai deux bandes dessinées que je vais écrire dans mes projets futurs. Oh, ça Ouais. déchire. Puis, il y en a une, ça va être l'automne des mouches. Oh. Ouais. Donc, l'été des mouches est un livre que je veux faire des suites. Donc, je veux faire les quatre saisons. Oh. Puis. C'est vraiment différent comme concept. C'est pas des suites directes, mais comme l'automne des mouches serait l'histoire à propos de Damien qui est mon personnage du prologue. Donc, tout ce qui est dans le prologue, le jeune avec pourquoi la maison est hantée finalement. Donc, ça serait l'automne des mouches, mais ça serait en bande dessinée. Oh, ça gère. Après ça, l'hiver des mouches, parce qu'à la fin de l'été des mouches, il y a, ça finit, il y a comme l'épilogue, donc c'est une réflexion encore, puis ça finit le 14 décembre. Donc là, ça serait la suite directe de l'été des mouches. Ça serait l'hiver des mouches. Donc là, ça serait vraiment directement la suite de mon livre. Puis le printemps des mouches, là, c'est un autre concept complètement différent. Ça serait la vie de Pierre-Luc Cool, mais Oh. fictive. Donc, les conséquences que Pierre-Luc Cool a eues à publier un livre comme L'été des mouches. Oh, ça peut être bon, Ouais. Titi. Donc, ça serait le printemps des mouches. Puis, ouais.
Puis l'autre bande dessinée, j'ai eu l'idée. L'autre fois, j'étais comme, je sais pas, je suis niaiseux des fois. Mon fils arrive, puis il dit, papa, j'aimerais ça, parce que ma femme, elle écrit des livres pour enfants. Puis il dit, j'aimerais ça que maman écrit une histoire à propos d'un chien saucisse. Oh, Ouais. Fait là, j'ai dit, pourquoi que tu l'écris pas, toi, l'histoire pour les chiens saucisses? Il était comme, OK, ben, là, il pensait, je dis, OK, ben, regarde, qu'est-ce qui serait le nom de ton personnage? Qu'est-ce qui serait le nom du chien? Mais là, moi, pendant que j'y parlais, je pensais dans ma tête. T'sais. Et là, anyway, je finis la discussion avec mon fils, puis là, je pense, hey, qu'est-ce qui rime avec saucisse? J'ai pensé pénis. Et là, j'ai pensé pénis le chien saucisse. Puis là, ma tête continue à tourner. Ou, encore plus drôle, ça serait saucisse le chien pénis. Et là, j'ai pensé pénis le chien saucisse et son ami saucisse le chien pénis. Et là, je dis à Chantal, je dis, hey Chantal, j'ai eu une idée pour un livre pour enfants, mais qui serait pas pour enfants, qui serait pour les adultes. Elle me regarde comme quoi? Je dis, ouais, ça serait les aventures de Pénis le chien saucisse et son ami saucisse le chien pénis. Là, elle fait comme, bon. Là, je dis, ça serait l'histoire de deux chiens qui vivent des aventures de chiens, comme manger leur propre vomi puis sniffer le cul des autres. Ça serait excellent. Et là, en tout cas, j'ai commencé. Je ne sais pas si je l'ai, là. En tout cas, je vais vous montrer. J'ai un site Cahiers Hill Roy partout. Mais en tout cas, j'ai commencé la bande dessinée, là. Ah, mais c'est excellent, moi j'adore l'idée. Ouais, mais en tout cas, ça va être humoristique à fond, puis très cru, puis très dégueulasse. Parce que des chiens, c'est cru, puis dégueulasse. Mais moi je trouve justement c'est ça qui est drôle, il y en a plein qui veulent pas le faire, ou sinon ils disent oh non ça fait trop machin, non non c'est excellent comme idée, c'est justement c'est des trucs comme ça qu'il faut sortir, c'est excellent, ça fait du bien à tout le monde, toi tu tapes du fun, tu fais rigoler les gens et en plus ben voilà quoi, c'est j'ai réussi à faire ça quoi, Ouais, pénis le chien saucisse et c'est saucisse le chien pénis, et ça. j'adore. Ah, tu Ouais, vois, moi j'ai des histoires qui défilent dans ma tête, je vois des petits les chiens faire n'importe quoi. Moi, bah, je suis comme toi, moi, tu me donnes une idée, je fuse. C'est mon ouais. esprit, il s'arrête jamais, c'est n'importe quoi. C'est ça. Il y a Ah, Cindy Millet qui dit un événement près de Montréal bientôt. J'ai des romans à faire signer. oh, à Montréal, j'aimerais beaucoup, ça va être au printemps ou à l'été, là. On fait la caravane, mais on va à Carleton-sur-Mer, qui est juste à côté, proche d'ici, par San Gaspésie. Ça, Amqui-Rimouski. Ensuite de ça, le lendemain, on va à Québec. Donc, Ouais. ouais. Voilà, j'essaie de Mais, passer quand même, moi. Si je peux ouais. passer, je vais essayer de passer. Mais près de Montréal, ça serait probablement un prochain salon clandestin par là, à l'automne ou, pas l'automne, printemps ou été, là, à Terrebonne. On avait été à Terrebonne l'autre fois. Puis, fou, ça avait vraiment été un beau succès. Ouais. Vraiment une C'est belle. plaisant quand tu peux aller voir les lecteurs, rencontrer des auteurs, te balader, tout ça fait vraiment du bien quand c'est comme ça. Oui, exactement. C'est très important, surtout pour un auteur comme moi qui est en auto-édition, se déplacer pour rencontrer les lecteurs. Ben, je pense que c'est important pour tout le monde. Mais c'est une façon de remercier les auteurs, les lecteurs qui prennent une chance avec moi, tu sais, si on veut, parce que je suis en auto-édition. Puis, c'est ma source de Ah, c'est ça, publicité. c'est comme tu dis, comme dire de la visibilité, façon de parler, même si c'est pas vraiment le terme, mais c'est un peu ça quand même pour dire que je suis vivant. On C'est le pas fait, facile, hein, quand même. comme là, on a un lancement, comme moi puis Chantal, ça qui est arrivé, c'est avec l'été des mouches, j'ai commencé à faire des événements au Nouveau-Brunswick. Puis là, après ça, la pandémie est arrivée. Donc, avec l'ultime, j'ai pas eu la chance. Puis là, Cocagne, on fait notre lancement samedi ici. Donc, moi, Cocagne et elle, le Don Dieu. Donc, on fait notre lancement ensemble. Puis, donc, on recommence à se déplacer dans des événements littéraires de la région. Parce que pour les 2 dernières années, ça a vraiment été au Québec, là. Tu sais quoi, je dis?
En même temps, c'était assez difficile avec la COVID, tout ça. On ne pouvait pas faire de lancement, puis il y avait des restrictions, puis on a profité de suite que les restrictions sorties en dehors de la province, on a été à Terrebonne. Après ça, on a fait la caravane littéraire. Après ça, on a été à un salon clandestin à Québec, puis on fait la caravane littéraire. Donc, c'est environ 2 fois par année, là. Été, automne, été, automne. Après, c'est ça que c'est bien, c'est parce que maintenant tous les auteurs commencent à essayer de faire des salons à droite à gauche, ils commencent à faire leurs propres événements, donc il y a de plus en plus d'événements qui sont. Mais je sais qu'au Québec, c'est vraiment la caravane littéraire qui Ouais, fait le plus gros chez les autres éditeurs, quoi. c'est pas mal sharp, la caravane littéraire. Puis même les auteurs qui sont dans des maisons d'édition, là, tu sais, c'est un grand succès. Puis, tu sais, leur maison d'édition les laisse faire ça. Puis, qui commandent des livres, tu sais, il faut que tu commandes des livres d'avance, tu les imprimes, tu fais sûr que tu es bon pour la route, puis let's go. Mais je trouve ça merveilleux parce que c'est un beau rassemblement, justement, de auteurs et lecteurs, peu importe. Moi, je dis, c'est ça qu'on devrait faire de toute façon. Que après, moi, je trouve dommage chez les chicanes sur tous les machins, mais ça, après, il y en a partout. Mais tout le monde devrait s'aider aussi simplement que ça. C'est déjà assez difficile comme ça que de se tirer dans les pattes, quoi. Ouais. Moi, je dis, tu peux aider. On va aider. Plus il y a d'événements, mieux c'est. Tout le monde parle de tout le monde. Exact, exact. Il y a des chicanes, moi je savais pas qu'il y avait des chicanes. Ah, il y a des chicanes. Après, il y en a un peu partout, mais ça reste Ouais. dans l'essentiel. Tout le monde aide tout le monde, donc. Ouais. Mais c'est plus compliqué. Tu t'es déjà inspiré de ta femme pour créer un de tes personnages? On Non. va pas le dire trop fort, promis. Ouais, non, non, pas encore. Bientôt, dans saucisse, pénis. C'est ça. C'est elle qui va promener les chiens. Ouais, ça va être le petit chihuahua qui jappe tout Ah non, tu mets les chiens saucisses, là. Comment ça s'appelle? Les teckels? le temps. Ouais. Oh, tu devais appeler Mais teckels, là. non, ça va. J'ai pas. Non, pas encore. Vraiment, il n'y a pas tant de personnages que ça qui a été directement des personnes que je connais, quelques-uns. C'est plus des traits de personnalité ici puis là. Mais il n'y a pas encore une fois que je m'ai assis et j'ai fait comme qu'est-ce qui serait Chantal en personnage? Ça m'a pas encore. Je sais pas c'est qui, il faut que je le trouve, mais dis les deux profs dans Cocagne, les dialogues, c'est inspiré de toi et Chantal. Caroline. Ça, c'est tout pour contredire la réponse à la question précédente. Oui, donc c'est vrai que j'avais complètement oublié ce dialogue-là, mais oui, là, je m'ai inspiré de moi puis Chantal. Puis, actually, là, on est en train de, en parlant de ça, on est en train d'écrire le projet court. On est Ah bien bon. avancé là-dedans. Puis, le projet court, donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est un projet où ce que. C'est une histoire, c'est pas un recueil de nouvelles, donc détrompez-vous, mais c'est une histoire coécrite à 4 mains avec moi et Chantal, mais il y a la participation de 16 autres auteurs. Donc, les Oh. auteurs ont tous écrit 1 000 mots, puis on insère ces 1 000 mots-là dans notre histoire. Donc, à un moment donné, tu vas lire l'histoire, puis là, tu pouf, texte d'Éric Canel, froum. Là, on continue Oh. par texte de David Bédard. Et en tout Oh. cas, donc c'est vraiment sharp. Puis le texte que de 1 000 mots, les auteurs-là tuent ou des victimes qui vont être des lecteurs et des lectrices. Oh. Ouais. Fait, c'est pas mal trippant comme concept. Ah, Puis là, quand est-ce que vous allez lire le projet court? Dans tout cas, ce n'est pas vraiment le projet court, le titre, là, mais quand est-ce que vous allez lire ce livre-là, vous allez voir beaucoup de inside entre moi et Chantal, qui a justement des dialogues qui est beaucoup inspiré de moi et elle. Puis je pense que ça va vous faire bien rire. Tu sais, c'est pas mal sharp comme concept. C'est encore un autre livre qu'on écrit pour avoir du fun. Et puis ça, c'est toute une levée de fonds. Donc, il y a zéro des profits qui vont à nous autres. Ça va tout être pour une levée de fonds. Donc. Ah, c'est vraiment hot. Et je sais c'est qui a posé la question, mais la question là, tu c'est Louise Côté, Louis Côté. Penses-tu que tu vas dormir sur le divan ce soir?
Ah, ben mon divan, il est pas si tant moche que ça, là. C'est pas pire. J'aurais juste besoin de mettre un film d'horreur, puis me mettre en petite boule, puis Il va dormir. pleurer dans son petit coin avec son petit chihuahua. Ouais. Après, le hoodie de l'ultime, un t-shirt de cocagne. Oh! C'est une belle idée, je trouve. Moi, ce qui arrive, c'est que la personne qui a fait l'ultime cocagne avait une compagnie de chandails. Donc, Oh! il imprimait des chandails. Donc, c'est un graphiste qui faisait des chandails, bla, bla, bla. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il les fait sur, il les imprime sur commande. Oh. Tu vas sur ton site, commande l'ultime, tu choisis si tu veux en t-shirt ou en hoodie, la grandeur, lui, il print, puis il l'envoie. Fou. C'était simple. Mais Oh. là, au moment que Cocagne a été publié, il y a eu comme un gros contrat pour une autre compagnie. Puis cette business-là, ce côté-là de la business a été comme mis de côté. Oh. T'as déjà pensé à faire un jeu de société ou un jeu d'horreur, un truc, au lieu de lire, bah tu lis l'histoire mais en jouant, tu sais? Oui, j'ai actually pensé, tu sais, comme les livres là, dont vous êtes le héros, là. Ouais, ça c'est bon ça. Mais tu sais, il y en a que c'est comme plus interactif. Au lieu de juste choisir quelle page que tu Ouais. vas, tu roules des dés pour battre des bébites, ça, là. Ouais. Mais comme ça, mais en En plus horreur, je sais interactif, pas. quoi. Mais là, il faut que tu sois nerd dans ta barouette, là, tu sais. Les affaires de même. Ah oui, ouais. Ouais, ça, là. Donc, tu fais ça, mais en vraiment horreur puis gory. Ah mais ça c'est bon, ça c'est des bons conseils. Je trouve que c'est justement c'est des conseils qui sont oubliés, mais c'est des très très Ouais. bons conseils Mais ça. tu sais, ça, c'est Tout comme prêt en fait. un jeu de rôle, mais en livre. Ah ça déchire. J'ai pensé, je dis pas non, peut-être qu'un jour, mais ça sera pas tout de suite, c'est pas dans mes projets futurs, mais l'idée est là. J'aime bien comme créer des RPG. Tu peux même faire des trucs genre avec des carrés noirs là, tu fais quand les gens ils scannent, ils voient des espèces de créatures ou je sais pas quoi, tu peux les mettre dans une ambiance, ils peuvent avoir un son, une connerie comme ça avec. Oh. Ça, Ouais. c'est des trucs qui sont. Ah moi je te dis, je vois loin, je Ouais. vois des trucs, je travaille même sur un jeu de société, j'essaie de chercher des trucs, des façons de faire, mais j'ai envie de sortir un peu de l'ordinaire. Mais moi c'est en fait faudrait que je prenne 3 livres, que je fasse un genre de comme un Cluedo, mais plus interactif dans le genre où c'est un livre, hein. Ça c'est vraiment le livre, t'arrives, tu vas avoir une voix électronique qui va dire ça, ça peut prendre jusqu'à 5 ans à se faire, ça c'est vraiment compliqué. Ouais. Et c'est des trucs que j'ai envie d'aborder plus tard, c'est même faire des jeux d'échecs, mais changer certaines choses, les faire modifier le design pour dire tiens, tu vas le jouer comme ça cette fois-ci, parce que tel livre se consomme comme ça. Pas comme l'ultime exemple, tu prends l'ultime, tu prends la scène, tu joues avec la scène de l'ultime et là tu te balances les trucs. Ouais. Ce genre de conseil, je trouve que ça peut être sympa à jouer, les lecteurs, ben ça titille. Yeah. Ça, c'est très complexe, c'est beaucoup de Ouais. travail parce qu'il faut que tu t'assures que le niveau de difficulté est juste au bon niveau, puisque c'est un défi, mais que le monde peut continuer à avancer, là, tu sais ce que je dis? Faut juste que ça soit. Ouais, c'est ça qui est Alors, faut c'est que tu vraiment pas. le joues et le rejoues et le rejoues et le rejoues pour faire sûr que tu trouves ce bon niveau-là. C'est le plus dur à faire, ça. Ouais. Ah, c'est encore Louis Côté qui dit un chihuahua sur le divan ce soir. Ah, Ouais, ben, ouais, notre ami a un chihuahua, puis tabarouette, ça arrête juste jamais de japper. Jamais, ça, jamais. c'est. J'aime bien les chiens, j'aime tous les animaux, mais les chihuahuas, c'est pas ma tasse de thé parce que j'ai toujours peur de leur marcher dessus. C'est mon plus grand truc, c'est que t'arrives, tu leur marches dessus, tu fais, ah, c'est où le chien? Excuse-moi. Mais ça Ouais. bat toujours la jambe, mais ça zappe, mais après, c'est les petits chiens, c'est marrant, tu peux les habiller. Moi, j'ai trop peur de leur marcher dessus. C'est ma crainte. Mais non, c'était pas. Je dis pas que Chantal jappe tout le temps. C'était pas ça mon message. C'était juste Chantal, je des vais me blagues. permettre de le Chantal, dire, tu zappes tout le temps, je t'entends jusqu'à Québec. Ouais. Jean-Pierre, il m'appelle, il pleure. C'est moi qui va me faire taper sur les doigts. Ouais. Non, on l'adore, Chantal. Sinon, tu as d'autres projets que tu aurais envie d'explorer, des trucs que tu es en train de cogiter, mais tu sais pas si ça va être de sortir de ton confort de lecteur, d'aller voir d'autres horizons que juste écrire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je n'ai un autre. Ah. Moi.
Mais je le Mais garde lui secret. aussi. Je savais bien que tu cachais quelque chose. Ouais. Ça s'en vient. Ça va sortir. Vous allez le savoir, ben, je dirais dans bien vite, mais ça se peut que ça peut prendre du temps quand même. Mais je travaille sur d'autres choses. Je suis il y a les romans, bandes dessinées, puis il y a d'autres choses. J'aime bien l'écriture et j'aime bien être créatif. Puis je vais me lancer dans d'autres projets littéraires. Je suis déjà lancé dans un nouveau projet littéraire très avancé, mais que je peux pas n'en parler pour l'instant. En tout cas, chapeau, je te souhaite le meilleur. Merci. Tu as quelque chose d'autre à ajouter? Vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. C'est jamais, mais à moins que. Après, on refera des lives, il n'y a pas de souci. Moi, je sais pas si que il y a une façon de le faire, mais on peut faire, je l'ai pas mentionné, mais on pourrait faire tirer une copie de cocaïne. Ah, si tu veux, bah, je pourrais prendre la liste de ceux qui ont participé au live. Et au pire, je prendrai la roue, là. Je te le Moi. filmerai, je mettrai le nom et je te le partagerai directement, il n'y a pas de souci. C'est ça. Parfait. Donc, je leur laisserai le temps, si tu veux, au pire de regarder le live, je leur laisserai peut-être une semaine pour voir si ceux qui vont répondre, qui veulent participer pour inventer des gens. On verra, il n'y a vraiment pas de souci, on pourra avoir avec Cathy, il n'y a vraiment pas de problème. Ça, Sounds merci. good. Aussi, une dernière chose, une dernière petite plug. Ben, peut-être pas une dernière. J'essaie de penser quoi ce qui est. J'ai un autre. Ah oui, j'ai deux autres choses que j'aimerais mentionner. Premièrement, ben, le recueil Maudit. Le premier recueil Maudit, j'avais ma nouvelle qui est Princesse. Donc, c'était l'année dernière. Mais là, cette année, il y a le recueil Maudit 2. Et j'ai une autre nouvelle. Puis ma nouvelle, rend hommage à Jacques Brel. Donc, Oh. moi, je suis un grand fan de Jacques Brel. C'est un Ah, moi peu aussi. à cause de Jacques Brel que j'ai tombé en amour avec la langue française, avec ma langue maternelle. Ici, en Acadie, on est beaucoup influencé par l'anglais. Ben, je pense que c'est partout, là, mais ici, on le vit vraiment de façon agressive, si on veut. Puis, c'est difficile pour les jeunes d'être exposé à des artistes francophones. Puis moi, quand ce que j'ai découvert Jacques Brel, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, puis ça fait comme wow. Parce qu'avant ça, je lisais beaucoup en anglais. Tu sais, si je lisais un Stephen King, je le lisais en anglais. Puis à cette heure, je lis tout en français. Je peux plus lire de livres anglais, à moins que c'est comme des livres à propos de la musique, des choses de même, là. Mais des romans, ça va être en français. Puis ça, c'est en gros à cause de Jacques Brel. Fait donc ma nouvelle sur le prochain recueil Maudit rend hommage à Jacques Brel, mais je ne divulgue pas le titre. Ah, mais Jacques Brel, je vous le recommande, c'est un chanteur de génie, cet homme. Moi, à chaque fois que je Moi. l'écoute, j'en ai des frissons. Ah Il oui. y a personne qui chante comme lui. Il y en a Moi. qui arrivent à reproduire des voix, des trucs comme ça, mais quand je l'entends, je fais waouh. Moi. Sa performance sur scène, c'est juste Ah, c'est comme incroyable. Tina Turner, je veux pas être méchant, mais Tina Turner, il y a personne qui va égaler Tina Turner. Tina Turner, c'est Tina Turner. Il y a des chanteurs comme ça, tu peux pas, tu fais waouh. Ouais. Yep. Puis ensuite de ça, mon prochain roman, à part le projet Cool, donc il y a, en novembre, donc le mois prochain, il y a ma nouvelle sur Jacques Brel qui va sortir dans le recueil Maudit 2. Après ça, en février, il va y avoir le projet Cool. Et là, je vise pour printemps, mais je ne sais pas si ça va être possible. En tout cas, je l'espère, si que je peux mettre tout le temps que je veux. Je vais publier un roman préado. Je pense qu'elle a réussi à se Ouais. connecter. Là, ça marche. Ah, oh, Chantal, on voit, elle a réussi. Désolé si C'est j'ai eu des elle qui soucis me avec le disait, on va streamer. dormir sur le divan. C'est-tu Ah, elle? C'est-tu elle qui me avec des disait, chihuahuas? Je sais toi? pas, je vois juste des Facebook. Non, c'est. Je pense que c'est Sab qui a pris le compte de son mari. Je n'ai pas aimé mon non plus. Oh. Ouais. Donc, ouais, je vais sortir un roman préado. Puis,
Je dirais, tu sais, comme style chair de poule, tu sais, un petit peu plus jeune que Frisson. Fait, je dirais 8 à 12 ans ou 10 à 13, 14 ans, quelque chose de même, dans ce bracket-là. Puis mon but, c'est de. Parce que moi, j'enseigne dans ces jeunes-là dans les écoles. Fait, tout de suite, je leur dis même pas que je suis écrivain. Tu sais, je veux même pas que. Tu sais quoi, je veux dire, parce que ça, je suis Ouais, pas je comme, vois ce ah, que je suis tu veux écrivain, dire. oui, quand tu es écrivain, j'ai écrit l'ultime. Mais là, au moins, je pourrais dire, regarde, j'ai écrit ça. Puis c'est un aspect que ça fait longtemps que ça me chicote, ça fait longtemps que je veux explorer. Ça va être un défi pour moi parce que j'ai tout le temps écrit sans me donner de restrictions. Puis là, il va falloir que je me mette plus Ah, dans un rôle. tu peux Donc, y je connais arriver. mon langage, puis que ça ne soit pas cru, puis toutes ces choses-là. Mais je vais quand même garder mon élément humoristique de Pierre Lecour et l'aspect horreur, bien entendu. Ça va s'appeler La cave à patates. Oh, Parce que quand bientôt on va j'étais avoir le livre jeune. de David Bédard, les Pogo Attack. Hein? Dit bientôt il va y avoir David Bédard avec ses Pogo. Oui, avec les pogos. Hein? Puis quand j'étais jeune, ma voisine avait une cave à patates, puis on était pétrifiés. On avait tellement peur d'aller dans la cave à patates. Donc, c'est de là que ça part. Ah, là, juste une dernière question. Tes élèves, ils le prennent comment que tu écrives? Ben, c'est ça, je dis, Ouais. je le partage pas plus qu'il faut. Ouais, mais il y en a qui doivent le savoir, non? Ouais, là, j'ai changé, là, parce qu'à Moncton, on a déménagé, ça va faire 2 ans en février. Et à Moncton, il y a des élèves qui savaient, puis qui ont suivi ma page d'auteur. Je savais pas qu'ils suivaient ma page d'auteur, puis moi, je mettais des bouts de l'ultime, puis à un moment donné, j'ai mis un bout qui était vraiment cru. Puis là, quand j'ai su, j'ai comme censuré ma page d'auteur. Je trouvais ça de valeur. T'sais, parce que mes lecteurs, mes lectrices, ils veulent avoir de la gore. Ils veulent voir qu'est-ce que je vais écrire de plus, puis qu'est-ce qui va être cru, puis tout ça. Puis là, on dirait, j'étais comme, ah, ça me tannait, là. J'aimais pas cet aspect-là. Mais là, depuis que j'ai déménagé dans la région, les élèves, il y en a qui savent, mais pas plus qu'il faut. C'est pas vraiment. J'étais curieux, ça devait être drôle. Mais de toute façon, j'ai comme enlevé mes passages trop crus sur ma page d'auteur. Il y a Sam qui demande, dis un chiffre entre 1 et 7 à la numérotée les noms. Ah! Tu me demandes ça? Ouais, un chiffre entre 1 et 7. OK. 6. Comme saucisse. C'est parfait. Oui, comme Je saucisse. vais pas l'oublier, la saucisse. Je l'attends, la saucisse. Ah, ça va venir. Je sais pas. Mon frère est un artiste, hein, comme mon frère est vraiment bon en dessin, comme excellent. Puis Mon j'aimerais frère aussi, moi, vraiment faire j'étais bon. que ceci serait une Ah, c'est écrit par Mireille. Pierre Lecour, illustré par Philippe Cour. C'est Mireille Bernoulli. Excuse-moi si j'écorche ton nom. Mais c'est OK. Mireille qui a gagné. Alright. Donc, je t'invite à aller joindre Pierre Lecoul en MP, au pire. Oui. Mireille, envoie-moi un message privé. Ah, c'est Mireille Bernier. Bernier. Puis, ouais, envoie-moi un message privé, puis je t'enverrai une copie de Cocagne. En tout cas, merci pour le live, vraiment. N'hésite même pas. Le jour où tu voudras refaire un live, de jeune poste, je peux l'en faire. J'ouvrirai une page publique de toute façon pour redistribuer, repartager des chroniques, vous laisser plus de visibilité. Je vais mettre les auteurs sur la page publique. Comme ça, vous pourrez partager tout ce que vous voudrez quand vous voudrez. Moi, je vais juste faire la page pour dire que la page, elle est publique et qu'elle tourne à chaque fois. Je vais mettre de la visibilité. Comme ça va vous offrir de la visibilité. Ça vous prendra moins la tête à aller sur 50 000 groupes. Là, il y a le truc, ils prennent. Si tu veux le prendre le groupe, tu le mettras. Il y a juste le nom qu'il faudra que je choisisse. Mais je pense à faire justement une page publique où je vais peut-être refaire des lives de temps en temps dessus pour permettre aux gens, s'ils veulent, au lieu d'aller sur un groupe, de se connecter parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'y aller, bah, il y aura une page publique, ils auront juste à aller dessus. Je comprends. Parfait. En tout cas, merci. Je te souhaite une bonne soirée. Je vais te laisser le mot de la fin. Right. Ben, c'est moi qui te remercie, Mickey. C'est moi qui remercie toute la gang qui sont venus connecter et qui ont posé des questions. Un gros merci. C'était fun de jaser. Puis c'est ça. Pierre Lecoultre commence juste. Il y a plein d'autres projets qui s'en viennent.
Donc, il y a beaucoup de papotes à faire encore. Ah oui. Ouais. En tout cas, je te dis merde pour tes projets, comme on dit en France, là. Oui, merci. Casse-toi Et une jambe, comme on dit. surtout pas, en tout cas. Donc, tu es toujours le bienvenu. Il n'y a pas de Ouais. souci. All right. Bah, Salut. bon, bonsoir, bonne soirée à tous. Et on se dit à la prochaine. Oui. Bye bye. Peace.